vous voilà. Pas si fort. Il y a des ennemis en dessous. D'accord. Mais voyez ce que vous pouvez faire avec ces caisses. Je n'arrive pas à les franchir. Tu comprends maintenant? C'est ce genre de choses qui nous ralentit. Je vois le palais d'ici. Rejoignez-moi. Enfin nous revoilà. Pitié ! Ne me forcez pas à retourner là-bas. Je ne veux pas finir comme les autres. Vous avez entendu ? Si tu sais ce qui est bon pour toi, réponds non. Farah, il faut continuer. Tout ira bien pour elle. Vous êtes fou ? Elle avait peur qu'on la tue. Et il y en a d'autres. Non, nous avons perdu assez de temps. Bien, remets-la à sa place. Mais c'est votre peuple ! Vous êtes leur prince. Et vous seriez prêt à les laisser souffrir? Cet homme m'a tout pris.
Et maintenant que j'ai enfin la possibilité de le punir, vous voudriez me retarder? Avez-vous donc oublié ce qu'il vous a fait? Mais je... Je sais que la culpabilité vous pèse, Farah. Il vous a forcé à assister impuissante aux souffrances de votre peuple. Vous n'y êtes pour rien. Mais cela ne doit pas obscurcir votre jugement. Ce n'est pas mon jugement qui est obscurci. Vous ne voulez pas les aider, mais vous ne m'en empêcherez pas. Je vais tuer le vizir pour mettre un terme à tout ceci, et vous, vous perdez votre temps à soigner les blessés. Bon débarras. Elle ne faisait que nous gêner. Elle nous ralentissait en s'attirant des ennuis sans arrêt. Nous allons enfin pouvoir... Quoi ? S'il lui arrivait quelque chose... Je ne peux pas la perdre encore. Non, non, non ! Nous sommes si près. Farah, où êtes-vous partie ? Elle avait donc fini par le toucher. Il s'inquiétait pour elle. Et même s'il ne s'agissait encore que de Farah, au moins, il ne pensait plus seulement qu'à lui. Si jamais vous devez partir, faudra-t-il que je reprenne mon histoire à partir de ce point ?